ouvrir maintenant. C'est une visite privée au salon Maison et Objets qui est donc réservée aux professionnels et les produits qui sont présentés seront probablement en boutique, comme on dit, d'ici quelques mois. Pour l'instant, pas encore. Bien. Alors la tendance, est, on l'a déjà dit ici, c'est à l'écologiquement correct, écolo-colo. Oh oui, colo-colo. C'est la tendance de cette année, amorcée l'année dernière, non? Absolument. C'est une tendance qui s'est amorcée déjà dans les précédents salons et qui se confirme. Et on peut vraiment le dire, puisque dans ce salon Maison Objet qui se tient deux fois par an, on a des exposants qui viennent du monde entier. Donc on a vu des Espagnols, on a vu des Belges, on a vu des Japonais, bien sûr des Français. Et on se rend compte que le grand point commun pour les consommateurs aujourd'hui, eh bien, c'est l'écologiquement correct, effectivement, le côté développement durable qui se confirme dans tous les domaines, c'est vrai, mais également dans celui de la maison. Alors, il y a encore quelques mois, on vous proposait un produit, c'est-à-dire le côté récup. Aujourd'hui, c'est le recyclage. Seulement, attention, évidemment, il y a aussi des contraintes, et pour le professionnel, et pour le consommateur. On voit tout cela en image avec le directeur général du salon, entre autres. Il n'y a pas de bien-être dans le monde de la maison sans bien-être du consommateur. Et tout le challenge des fabricants et de l'industrie du monde de la maison aujourd'hui est de tenir compte de cette exigence. Ce rectangle est en feutre 100% laine. C'est un sac à main et se monte en 20 secondes. Et voilà. Pour assurer cette exigence, les fabricants aujourd'hui utilisent les hautes technologies pour fabriquer des meubles plus simples, plus légers, plus fonctionnels et qui permettent aux consommateurs en final de mieux vivre. À partir de cette bouteille de plastique, on ne fait pas uniquement de la laine polaire. On fait également des produits design. C'est une petite cloison modulable qui a une valeur acoustique énorme. Autre produit qu'on a dans le style, ce sont les lampes. Elles sont réversibles et modulables en hauteur. Et demain, quand il n'y aura plus de plastique, on va clairement vers le recyclable, comme sur tous les marchés, et en même temps peut-être l'utilisation de matières qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans la maison ou dans les meubles, comme des copeaux de bois issus de l'industrie du bois qui n'est pas utilisée par l'industrie du bois. Voici un nouveau produit fabriqué en matière naturelle, en cèdre du Japon, léger et au service du consommateur. Je bâtirai une ferme. Une grange et une barrière. Cette exigence engendre de nouvelles contraintes pour le fabricant qui doit mettre à disposition des consommateurs des meubles plus légers, plus économiques, donc qui sont composés, mis à plat pour avoir un transport plus facile. Mais en même temps, le consommateur doit les assembler chez lui. Alors, quelques exemples de cette produit de nouvelle consommation. On a ici un tabouret recyclé en acier recyclé et en pneus recyclés. Pas de clous, pas de vis. On a ici un paravent d'assemblage en carton recyclé. Et deux autres produits d'assemblage. Un luminaire qui est livré à plat et qui s'assemble en pratiquement 3 minutes. Et un tabouret qui est livré également à plat et qui s'assemble en environ 5 minutes. Ce sont des éléments modulables avec lesquels nous pouvons construire nos meubles. Aujourd'hui, vous construisez une table basse, vous aurez demain une console ou une étagère. Nous utilisons des matériaux recyclables, le polypropylène expansé recyclable à l'infini, le caoutchouc naturel et l'avenir, la plus chère de pommes de terre qui remplace aisément le plastique. Pour moi, c'est le bonheur. Ça, le vrai bonheur. Dites donc, c'est la guerre aux clous, la oui, guerre aux vis. C'est la guerre aux clous, la guerre aux vis. Et à la colle. Et à la colle, évidemment. Ah, alors, il faut tout faire soi-même, monter soi-même. Bon. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. On n'est pas obligé de sortir de Polytechnique pour monter tout ça. Je ne sais pas. Ah bon, je n'ai pas testé à ce niveau-là. J'en sais rien. Mais vous avez vu l'épluchure de pommes de terre? Ça, ça a de l'avenir. Ça fait un très joli canapé. Ça. Le canapé en épluchure de pommes de terre, c'est formidable. Merci beaucoup.